Il y a de cela plusieurs décennies, alors encore en développement, Taïwan a bénéficié de l'assistance étrangère et de l'aide des organisations internationales. Soucieuse de donner à son tour et de remplir ses responsabilités envers la communauté internationale, Taïwan a commencé à offrir une aide extérieure dès 1959. L'effort s'est d'abord porté sur le Vietnam pour s'étendre progressivement à travers le monde. L'assistance fournie s'est transformée au cours des années afin de s'adapter aux défis de chaque époque. Les organisations chargées de l'aide extérieure et leurs missions ont-elles aussi évolué au fur et à mesure que Taïwan se dotait de structures solides et professionnelles dans ce domaine? Le Fonds de coopération internationale et de développement, Taïwan ICDF, a été créé en 1996 pour combiner plus efficacement les ressources de Taïwan, augmentant ainsi le caractère professionnel et systématique de l'aide apportée aux pays partenaires. Officiellement chargé de la mise en œuvre des programmes d'aide extérieure, Taïwan ICDF continue de consolider ses capacités organisationnelles pour se mettre au diapason de tendances mondiales en constante évolution. Une approche axée sur les projets et une utilisation efficiente des ressources nous permettent de maximiser l'efficacité et la durabilité de nos programmes d'aide internationale. Taïwan ICDF prend en compte les objectifs de développement durable des Nations Unies pour mener à bien ses missions et propose une large gamme de programmes dans quatre domaines essentiels: la coopération technique, l'assistance humanitaire, les prêts et les investissements, et l'éducation et la formation professionnelle. Ces programmes divers et variés font appel aux avantages compétitifs de Taïwan pour une efficacité optimale. Les objectifs de développement durable listent comme priorité la sécurité alimentaire mondiale, une nutrition équilibrée et une agriculture durable. Pour contribuer au progrès dans ces domaines, Taïwan partage avec la communauté internationale ses excellentes technologies et son expérience du développement de l'agriculture. Test des variétés, lutte contre les parasites, modernisation des technologies agricoles et de commercialisation, financement de projets d'expansion des exploitations agricoles, tout ce qui concourt à améliorer les rendements et l'efficacité est inlassablement mis en œuvre par Taïwan pour aider les pays partenaires à augmenter la production agricole et les revenus des agriculteurs. Ces dernières années, face aux défis du changement climatique, Taïwan ICDF a concentré ses efforts sur la résilience et l'adaptabilité de l'agriculture par le biais de l'innovation technologique, toujours avec l'objectif d'aider les partenaires de Taïwan à rendre leur secteur agricole plus intelligent et plus durable. La couverture sanitaire universelle fait aujourd'hui partie des objectifs communs de santé publique au niveau mondial. L'expérience de développement de Taïwan en matière de santé publique et de médecine, qui fait converger les ressources des institutions médicales dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la prévention et du traitement des maladies chroniques, des systèmes avancés de traitement de l'information médicale et des systèmes de réponse aux urgences de santé publique, permettent à Taïwan ICDF d'aider les partenaires de Taïwan à renforcer leur propre système de santé publique. Ces améliorations sont mises en œuvre au moyen de consultations professionnelles sur la formulation des politiques publiques, du développement des compétences des agences sanitaires, de la promotion de l'éducation sanitaire et de l'envoi de bénévoles à l'étranger. L'éducation est la pierre angulaire du progrès d'une nation, la clé du renforcement de sa compétitivité. Taïwan ICDF aide les pays partenaires à développer leurs ressources humaines au travers de programmes éducatifs et de formations professionnelles. Nous offrons aussi des bourses aux étudiants en provenance des pays partenaires venus poursuivre ici des études supérieures. Nous nous appuyons également sur l'expérience de développement de Taïwan dans les domaines où nous excellons pour proposer des ateliers et des formations spécialisées aux responsables politiques et experts des pays partenaires. Taïwan ICDF dépêche par ailleurs des enseignants du chinois mandarin dans les pays partenaires afin de promouvoir l'apprentissage de cette langue et de faire connaître la culture taïwanaise. Afin de diversifier les approches pédagogiques, Taïwan ICDF a créé une chaîne éducative et développé un modèle d'enseignement numérique. Avec le formidable développement d'éthique, la transformation numérique et la gouvernance électronique sont devenus des objectifs prioritaires partout dans le monde. Pour aider les pays partenaires à améliorer leur compétitivité nationale,
Taïwan ICDF exploite les capacités avancées de Taïwan dans le domaine des TIC. L'objectif est d'améliorer l'efficacité gouvernementale, de promouvoir les solutions d'enseignement intelligentes, d'optimiser les services publics et de soutenir les PME tout en renforçant la compétitivité nationale. Taïwan ICDF s'appuie également sur des applications intelligentes développées spécifiquement pour l'éducation, la gouvernance urbaine et la prévention des catastrophes, l'usage des TIC permettant d'améliorer l'interdisciplinarité et l'efficacité des programmes d'aide. Le changement climatique est un problème majeur auquel le monde dans son entier est confronté, et il constitue une énorme menace pour les habitants des pays partenaires. Taïwan ICDF utilise l'expérience de Taïwan en matière de construction de villes résilientes, de systèmes d'alerte et de mécanismes de réponse aux situations critiques, afin d'aider les pays partenaires à renforcer leur maîtrise des technologies de mitigation des risques et de prévention des catastrophes. Nous apportons aussi les technologies taïwanaises de télémétrie par satellite et de systèmes d'information géographique, afin d'améliorer la gestion des territoires, l'observation de l'exploitation des terres et la surveillance des parasites forestiers. Dans le même temps, prenant notre part de responsabilité en matière de transition énergétique et de protection de la planète, Taïwan ICDF coopère avec les organisations internationales et rejoint les fonds pour le climat et les initiatives de finances vertes qui facilitent les projets dans les énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout comme elles ont été essentielles pour le miracle économique taïwanais, les PME sont d'importants piliers de l'économie locale dans de nombreux pays en développement. Taïwan ICDF intègre donc dans ses projets les mécanismes taïwanais de conseil aux PME et aux incubateurs de start-up pour partager cette expérience avec les pays partenaires. En offrant des prêts et solutions de financement, nous confortons nos efforts de conseil et stimulons le développement des PME dans les pays partenaires. Suivant en cela les initiatives internationales en matière d'aide à l'autonomisation des femmes et pour booster la vitalité économique des pays partenaires, Taïwan ICDF offre également une assistance technique à la création d'entreprises, des garanties de crédit et des services financiers aux femmes en situation économique défavorable ainsi qu'aux jeunes entrepreneurs. Alors que nous progressons vers les objectifs de développement durable, les besoins en aide internationale continuent d'augmenter. Pour renforcer la contribution de Taïwan à l'aide internationale, Taïwan ICDF promeut un partenariat public-privé citoyen qui connecte les ressources domestiques nationales et internationales au travers de collectes de fonds et de diverses activités innovantes. Cela donne un rôle plus important aux partenaires du secteur privé et fait découvrir au monde le modèle taïwanais d'aide extérieure. Ces dernières années, nous avons également travaillé avec des organisations internationales et des ONG internationales pour étendre encore l'aide extérieure de Taïwan au travers de programmes humanitaires, de fonds et d'autres projets. Nous participons activement aux forums internationaux afin de partager nos succès avec la communauté mondiale et de démontrer l'engagement de Taïwan à assumer des responsabilités internationales. Dans un contexte mondial de profonde transformation et de défis inédits, Taïwan ICDF poursuit la mise en œuvre de ses projets d'aide internationale et constitue une plateforme essentielle pour connecter les partenaires du développement locaux et étrangers, tandis que nous travaillons tous ensemble pour un avenir plus durable pour la planète.